Serais-je au comble de mon art? Je vis et je ne fais que vivre. Voilà une œuvre. Enfin, ce que je fus a fini par construire ce que je suis. Je n'ai plus aucune autre importance. Mais voici le présent même. Ma personne épouse exactement ma présence. Point de reste, il n'y a plus de profondeur, l'infini est défini. Ce qui n'existe pas n'existe plus. Je suis celui que je suis. Je suis au comble de mon art. Voilà mon œuvre, vivre. N'est-ce pas tout? Mais il faut le savoir. Que d'aventures, de raisons, de songes et de fautes pour gagner la liberté d'être ce qu'on est, rien que ce que l'on est. Qu'est-ce que la perfection, sinon la suppression de tout ce qui nous manque? Ce qui manque est toujours de trop. À présent, le moindre regard, la moindre sensation, les moindres fonctions de la vie me deviennent de la même dignité que les voix intérieures de ma pensée. C'est un état suprême où tout se résume en vivre. Et refuse d'un sourire qui me vient toute question, toute réponse. Vivre. Je ressens, je respire mon chef-d'œuvre. Je nais de chaque instant pour chaque instant. Vivre. Je respire, n'est-ce pas tout? Je respire. J'ouvre profondément, toujours pour la première fois, ces ailes intérieures qui battent le temps vrai. Elle porte celui qui est, de celui qui fut à celui qui va être. Je suis, n'est-ce pas extraordinaire? Se soutenir au-dessus de la mort, comme une pierre se soutiendrait au-dessus de l'espace, cela est incroyable. Je respire et rien de plus. Le parfum de mes fleurs veut que je respire. Et l'odeur de la terre surgit en moi, toujours plus désirée, toujours plus désirable.